Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette dernière journée de Noël des speakers. Waouh, 3 jours, ça passe vite quand même. Et aujourd'hui on démarre ce midi avec un talk qu'on va bientôt vous présenter et ce soir avec une table ronde sur les anciens de l'informatique, les gens qui avons commencé tout ça bien avant que Internet soit généralisé. Mais on va se centrer sur le talk de ce midi. Et pour l'introduire, Seb. Hey, salut! Ça va bien? Ça va! Hey! Bonjour, Philippe! Bon, alors, Alors, aujourd'hui, il y a Jeff, que je connais parce qu'on travaille ensemble. Enfin, on travaille ensemble, on travaille pour la même boîte, Red Hat. Et il va nous parler des entrailles de GraalVM. Et j'aime bien cet impact parce qu'il parle de la magie qu'il y a dans GraalVM, et c'est vrai que moi j'utilise beaucoup GraalVM dans mes démos, quand je fais des démos, et je dis toujours ça aux gens, je dis ouais, à l'intérieur c'est de la magie pour moi, je sais pas exactement comment ça se passe, mais ça poutre quoi, ça s'envoie. Et du coup, cette magie, Jeff, aujourd'hui, il va nous dévoiler un petit peu comment ça se passe, donc voilà. Et la cuisine, sa cuisine sec derrière, on dirait aussi. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est chez moi, j'ai l'impression, j'avais oublié de couper le micro. Ah d'accord, c'est pas grave. Ça va. Ouais, ben. Aujourd'hui, on va lever les voiles sur la magie de GraalVM. Le GraalVM, la recherche du Graal. Il va nous l'apporter maintenant, Jeff. Donc, Jeff, c'est à toi. Jeff, c'est à toi. Eh ben, merci bien. Donc, effectivement, ouais, le but, c'est un peu de lever un peu la magie. Je ne sais pas si on va être capable de tout comprendre en GraalVM, mais enfin on va essayer de regarder ce qui se passe. Donc vous inquiétez pas, j'ai quelques slides, il y en aura pas beaucoup. Après on va regarder un peu plus à l'intérieur. Donc moi je me présente très rapidement et pourquoi je vous parle de GraalVM aujourd'hui. Donc en fait je suis Tim Nucci Red Hat où je pilote une équipe qui développe des outils de développement et je travaille pas mal autour de Quarkus. Et notamment d'une ligne de produits qu'on appelle Quarkus Tools. Donc en fait, Quarkus Tools, c'est quoi? C'est les outils de développement autour de Quarkus. Donc on en fournit pour VS Code, on en fournit pour IntelliJ et pour Eclipse Desktop. Donc mon équipe s'occupe pas mal de ça aussi. Donc c'est pour ça que j'ai eu assez rapidement le contact avec GraalVM et que je me suis aussi pas mal interrogé, un peu comme Seb l'expliquait. Alors là, on va se GraalVM, c'est un écosystème qui est assez complexe. Nous, on va se concentrer sur la partie native image. Donc la partie native image, en gros, c'est vous prenez votre code Java qui est déjà compilé. Ça peut être un point class ou un point jar. Vous passez cet outil native image et en fait, il va vous générer un binaire autonome, donc un simple exécutable que vous allez pouvoir tourner. Il y a des contraintes quand même, ce qu'on appelle le monde fermé, c'est-à-dire que cet outil, pour qu'il puisse fonctionner, il a besoin de connaître les chemins d'exécution. Donc il y a un certain nombre de contraintes. Par exemple, on a des contraintes sur la réflexion, on ne peut pas faire du chargement dynamique de code comme on peut le faire dans Java. Et on va comprendre un peu pourquoi il y a ces contraintes-là. Donc en fait le pourquoi de ce talk et effectivement les interrogations que je me posais, c'est qu'il y a un côté magique, hein. Seb l'avait dit, finalement on a l'habitude, quand on voulait exécuter du code Java, c'était un peu compliqué parce que d'un côté il fallait compiler notre code, et puis il fallait avoir une JVM d'installer et tourner ça. Et puis on sait qu'il y a des temps de bootstrapping qui sont assez importants. Ça, c'est les côtés un peu négatifs qu'on voit dans la presse sur la partie Java. Le retour d'expérience, c'est que en fait, ce code binaire, en fait, il montre qu'il est performant, mais ce qui est un peu dommage, c'est que c'est une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dedans, et donc ce qu'on voudrait, c'est regarder un peu qu'est-ce qui se passe dedans, comment ça marche, quel est un peu l'aspect du code généré. Donc c'est un peu le but de ce talk. Alors, ce que je vous propose là, c'est de faire un petit atelier, un peu incrémental, hein, en regardant les différents aspects qu'on peut retrouver dans du code Java.
avec une approche de rétro-engineering. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des petits exemples de code Java, et puis on va faire du rétro-engineering. Alors, comment on fait du rétro-engineering, sachant que je ne suis pas un hacker professionnel? Et là, c'est là que le grand méchant loup arrive. Le grand méchant loup, il s'appelle la NSA. La NSA a open sourcé un outil qui s'appelle Ghidra, qui vous permet en gros de rétro-engineer n'importe quel code. Je crois qu'il s'est fait même de l'Android. Nous, on va l'utiliser pour prendre du code compilé et voir comment ça se passe. Donc voilà, j'en ai fini pour les slides. Donc je vais passer sur la partie terminale. D'abord, je vais vous montrer un petit code. Donc, pour commencer, je vais commencer avec un code de C. Voilà, j'ai un petit exécutable qui est vraiment tout simple. En fait, le but de ce code C, c'est juste de vous montrer comment ça marche dans Ghidra. Donc, si je l'exécute, voilà, et si je regarde le code retour, j'ai un code retour 210. Donc, vous allez dire, tiens, il y a un petit souci. Sachant que dans mon code, j'avais donné un code retour qui était 1234. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que le code retour, il est borné sur un octet. Bon, de toute façon, c'est pas le but. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Ghidra. Alors, Ghidra, c'est un outil donc, qui est fourni par la NSA et qui est écrit en Java aussi. Voilà. Donc ici, on a l'interface de Ghidra qui va apparaître. Donc en fait, ici, on a en fait les différents binaires que je vais vouloir analyser. Donc là, j'ai mon binaire C. Que j'ai déjà préparé parce que ça prend un certain temps. Sur le binaire C, ça aurait été assez rapide. Mais sur des binaires, donc ça, c'est les binaires native image, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes pour analyser. Hein. Donc j'ai évité de faire ça. Donc on va regarder notre exemple C que j'ai chargé. Donc là, il va récupérer l'analyse qu'il avait fait précédemment. Et puis il va m'afficher en fait je vais avoir accès quand ça va bien, voilà. Ici donc il y a des notions, il est capable de reconnaître du code C++. Moi la partie la plus importante, c'est la partie fonction. Donc là, la partie fonction, en jouant un peu, je m'aperçois qu'ici, mon programme, il commence toujours par la méthode underscore start. Et cette méthode de start, bah en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, c'est vraiment le démarrage du programme. Elle va en fait initialiser la libc. Elle va initialiser la libc, et puis une fois que la libc va initialiser, en fait, elle va appeler ma méthode main. Donc si je regarde ici, si je fais un double clic, voilà, il m'a récupéré ma méthode main. Alors vous voyez qu'ici, j'ai un void parce qu'il a fait aussi de l'optimisation. Il a dit, bon, a priori, les paramètres ne sont pas utilisés dans l'utilisateur skippé. Par contre, je retrouve bien mon code de retour qui a été transformé en exam et je retrouve bien mon code de retour. Donc voilà pour une petite démonstration sur l'utilisation de Ghidra. Maintenant, on va passer à la partie Java, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc j'ai un certain nombre de samples Java. On va commencer. Ben, en fait, je vais avoir ici. J'ai ici mon programme Java qui est finalement l'équivalent de ce que je viens de voir. D'accord? Avec un system.exit avec le code 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, je retourne ici dans Ghidra. Ici, j'ai mon sample qui est ici, qui est là. Vous allez voir qu'il y en a deux. On va comprendre pourquoi tout de suite. Donc, on charge ici le programme. On va retrouver dans les fonctions. Normalement, on devrait avoir beaucoup plus de fonctions. On va voir pourquoi. Et
ici. Bah, je retrouve ma méthode start qui a en fait la même structure. Et si je double-clique sur ma méthode, j'ai ici mon code qui est imprimé. Mais là, je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu parce que je ne retrouve vraiment rien de ce que j'ai écrit. Ah si, là, il y a une petite fonction. Tiens, il y a un 0x4d2 là-dedans. Tiens, ça ressemble peut-être à ce que je voulais faire, mais ça ne m'explique pas vraiment. Je ne retrouve pas un peu mes billes, là. Je ne retrouve pas mes noms de méthode. Alors, pour ça, je vais vous montrer pourquoi. En fait, j'avais généré mon binaire avec ce script-là. Donc en gros, ce script-là, je lui donne le classe passe courant, je lui donne la classe que je veux générer, et en deuxième argument, je donne le binaire que je veux générer. En fait, ça, le problème, c'est que comme la génération a tendance à être optimisée, bah, naturellement, il nous manque des symboles. C'est pour ça que j'ai un deuxième script ici. Donc en fait, c'est exactement le même, sauf que je passe une option. Donc Native Image, hein, il a plein d'options où on peut configurer la réflexion, etc. Et là, j'ai une option pour lui dire bah, il ne faut pas détruire les symboles locaux. Ça va me permettre de retrouver des noms de méthodes qui vont être... Alors là, on ne va plus parler de noms de méthodes, mais de noms de fonctions, mais ça va nous permettre de retrouver des noms de fonctions qui vont être un peu plus parlants. Et de comprendre un peu mieux comment le code est en fait transcodé. Donc c'est le deuxième. Hein. Donc en fait mes binaires sont toujours en un suffixe D. Donc si je regarde ici ma fonction, voilà, je devrais retrouver ma méthode start. Ici, j'ai ma méthode main. Et là j'ai une méthode main, dont je vois que les appels sont un peu plus parlants. Un peu plus parlants. Et si je regarde un peu plus là, ici, je vois que j'ai un shutdown.exit. Donc, je commence un peu à comprendre un peu mieux. Visiblement, ce que je vois, c'est que j'ai, rappelez-vous, moi, j'appelais la méthode exit. Et donc, visiblement, la façon dont il transforme les méthodes, c'est qu'il prend le nom de la classe, il prend le nom de la méthode, et il va afficher ici un suffixe. Ce suffixe, il est là pour, en gros, garantir que mon nom de méthode est unique. Sinon, on risquerait d'avoir des collisions, parce que faut pas oublier qu'en Java, on peut avoir, au sein d'une classe, on peut avoir plusieurs fois, enfin, des méthodes qui ont le même nom, mais qui vont être distinguées par les types qu'on va leur passer. Donc ici, en fait, je commence à comprendre. Une chose qu'on ne voit pas, mais qu'on va voir par la suite, c'est qu'en fait, il a fait de l'inlining. C'est-à-dire que je vois que j'ai pas. Normalement, j'aurais dû avoir un appel à une méthode main, puisque ma classe qui s'appelait Java Sample One, elle avait une méthode main. Là, visiblement, il a fait de l'inlining, c'est-à-dire qu'il a détecté qu'il y avait une seule instruction dans cette méthode main, donc il l'a rappelée directement dans cette méthode. On voit que cette méthode main, elle est aussi complexe parce qu'elle fait d'autres choses. Ben en fait, qu'est-ce qu'elle fait cette méthode main? De la même manière, c'est que la méthode start, elle allait commencer par initialiser la libc. Ben, cette méthode main, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à initialiser la stack Java. Donc, elle va créer la heap, etc. Bon, on va pas se focaliser sur cette partie-là. Mais en gros, voilà, c'est des choses. On voit que, par exemple, une fois que mon code a été appelé, ben, il va vérifier que toutes les threads qui sont non démons sont bien arrêtés. Donc ça, c'est du fonctionnement classique de la JVM. Voilà. Donc on commence à comprendre un peu mieux. Alors, par exemple, je pourrais aller voir ce qui se passe dans cette méthode. Donc là, on voit bien que cette méthode shutdown.exit, je lui passe encore ce fameux code d'exit que j'avais mis dans mon code. Si je regarde là-dedans,
C'est aussi du code un peu compliqué, mais si vous regardez le code Java, en fait, je crois que je l'ai là, le code Java, en fait, on finit par appeler une méthode qui s'appelle shutdown.alt. Ici, je crois que je dois l'avoir. Voilà, ici, on finit par appeler exit sur shutdown, et cette méthode exit, elle finit par appeler alt. Donc, on retrouve des choses assez similaires avec le code Java. Sauf que on est vraiment dans du code C. Donc, on va continuer un peu notre exploration. Je regarde s'il n'y a pas de questions dans le chat. Il n'y en a pas, donc ça va bien. Alors, on va regarder maintenant Java sample2.java pour continuer un peu à comprendre. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'appelle. Alors, vous allez voir que j'appelle deux fois parce que j'ai avoir une certaine hypothèse sur la façon dont mon code est structuré. Mais en gros, j'envoie un message systemOut et system.error. Bon, pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Donc, je recharge mon programme, je retrouve ma fonction. Voilà. Je reviens ici. Donc là, j'ai toujours mon initialisation de ma JVM. Et je vois qu'ici, vous voyez, là, j'appelle bien une méthode, enfin une fonction qui s'appelle Java sample 2 underscore main underscore le suffixe. OK. Donc on voit bien que là, il n'a pas fait de inlining comme précédemment, mais il m'a créé une méthode pour ma fonction mail. Donc on va aller dedans. OK. Donc ici, je vois que j'appelle une fonction qui s'appelle printStream.println. Donc là, on commence à comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans le monde C, on n'est pas du tout dans le monde objet. Donc on est dans un monde où on n'a que des fonctions. Quand on écrit du code C et qu'on veut avoir un peu une fonction objet, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On écrit des fonctions et puis, en fait, le premier paramètre, c'est en fait notre structure de données sur laquelle on va vouloir travailler. Ça, c'est la façon dont on code en fait une espèce de vue objet en C. Donc là, on voit que j'appelle la fonction println. En Java, j'avais un seul paramètre qui était ma string. Là, je vois que j'ai deux paramètres, ce qui est logique puisque, en gros, le premier paramètre, ça va représenter le stream dans lequel j'écris. Et on voit que là, on voit que j'ai en fait deux valeurs différentes. Pourquoi j'ai deux valeurs différentes? Puisque j'ai une première valeur qui va correspondre à system.out et une deuxième valeur qui correspond à system.r. Il se trouve que là, en fait, ce sont donc c'est encore une structure qui va représenter le system.out, c'est lui-même un objet. Donc on n'a pas vu d'allocation de step jet parce que tout ça a été fait dans l'initialisation de la VM interne, mais en gros je référence finalement une structure, c'est comme si je référençais une structure globale. Donc c'est pour ça que en fait pour valider cette hypothèse là, c'est pour ça que j'ai mis à la fois sur system.out et system.r. Le deuxième paramètre, on voit que c'est local 8. Local 8, rappelez-vous, c'est une string. Mais il ne faut pas oublier que quand on code en Java, quand on fait une string en double quote, en fait, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a une espèce de pool de string. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux codes différents dans votre base de code qui utilisent la même valeur dans les doubles quotes. En fait, ça sera la même valeur au sens pointeur d'objet. Donc là, on retrouve en fait cette chose-là. C'est-à-dire qu'il va aller chercher la valeur de la string, qui est un pointeur. Il va aller chercher dans cette espèce de pool global. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas d'allocation d'objet. Mais on va venir par la suite, on va voir des notions d'allocation d'objet. Voilà, donc on commence un peu à comprendre comment notre code Java est traduit. Les méthodes, ce sont des fonctions. Et la notion objet, en fait, c'est implémenté avec un paramètre supplémentaire qui va être notre structure de données qui représente notre objet. Maintenant, il faut essayer de comprendre un peu comment cette structure de données est faite. Et ça, on va le découvrir.
Deuxième, troisième exemple. Ça, je l'ai mis parce que c'est un cas quand même spécifique que les gens qui ont l'habitude de travailler avec Native Image savent, c'est les ressources bundles. Donc, pareil, les ressources bundles sont implémentées d'une façon un peu spécifique et il y a des contraintes sur le ressource bundle. Donc, si je fais un Java sample, alors je ne vous ai pas montré les fichiers properties. Voilà, donc j'en ai un qui est celui qui est la version française, donc il est suffixé par underscore fr, et j'ai le deuxième qui est par défaut, qui il montre le même texte mais en version anglaise. Donc si je fais un Java sample 3, j'ai la version française. J'ai la version anglaise, pardon. Par contre, si je fais des user.language égale fr. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui. C'est ça. Ah. Oui. Ça ira mieux comme ça. Voilà, là j'ai la version française. Par contre, si je prends mon binaire, donc normalement il s'appelle gsample d3, voilà, et normalement je suis censé passer de la même manière d.user.language égale fr, et j'ai toujours la version anglaise, et je me dis qu'est-ce qui se passe, et en fait en regardant, c'est un bug de la native image. Qui en fait stocke la default locale qui stocke au moment du build time et non pas au moment de l'exécution. Donc c'est pas très très grave pour ce qu'on veut faire. Maintenant on va regarder le code. C'est ça qui nous intéresse. Donc on va regarder le troisième. Voilà, donc là j'initialise. Normalement j'ai toujours une méthode parce que il n'a pas fait de inlining. Voilà. Et ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'utilise en fait une méthode spécifique à GraalVM et à Native Image, dans lequel en fait il va essayer de retrouver par rapport au bundle que je lui donne, il va essayer de retrouver les informations. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que si j'utilise mon script celui-là, voilà, si j'utilise ce script-là pour générer mon binaire, il ne va pas marcher parce qu'il ne va pas retrouver le resource bundle. Parce que le resource bundle, en fait, il n'est pas, contrairement en Java où en fait il est chargé dynamiquement à l'exécution, le resource bundle, comme il va être pré-processé par Native Image puisqu'il va le chercher dans ses structures internes, il faut lui indiquer. Donc pour lui indiquer, attendez, comment il s'appelle? C'est GNDR, je crois. Voilà. Donc là, j'ai utilisé un script pour générer mon binaire qui est un peu spécifique. Donc j'ai toujours le local symbol. Par contre, je vais lui donner le nom de mes bundles à préprocesser et à inclure dans le binaire généré. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous ne faites pas ça, votre code il va vous lancer une exception en disant qu'il ne retrouve, retrouve pas le bundle. Alors, on va passer maintenant à un programme un peu plus intéressant. Donc là, ce qui m'intéressait maintenant, on n'a pas vu d'allocation d'objets. Là, ce qui m'intéresse, c'est de regarder un peu en termes d'allocation d'objets, comment ça se passe. Et puis comment le code va être généré.
Ça va piquer un peu, mais on va essayer de s'y retrouver. D'ailleurs, je vous préviens, ça va piquer de plus en plus. Bon, je vois toujours pas de commentaires, donc c'est que ça va. Alors, je retrouve ma fonction. Voilà. Ok. Ici, est-ce que... voilà. Donc, là, il appelle, il a fait de l'inlining, assez curieusement d'ailleurs. Et il va appeler ma méthode dump. Donc, rappelez-vous, j'allouais un objet. D'accord ? Et une fois que j'avais alloué cet objet-là, j'appelais la méthode dump. Voilà. Là, on est dans le code de l'allocation de l'objet. Donc en fait, voilà, donc là on appelle une méthode qui s'appelle slowPass new instance. Mais il y a un petit code ici qui est on ne comprend pas très bien là. Il fait des tests, machin, etc. En fait, il ne faut pas oublier que on est dans le monde C. Et en gros, une instance d'objet, en fait, c'est une zone mémoire. Donc cette zone mémoire, en fait, on a deux possibilités pour l'allouer. On a, premièrement, on va l'allouer dans la heap. Et puis, derrière, on va travailler un peu comme classiquement. Mais aussi, on a la possibilité de l'allouer dans la stack d'exécution. Donc, en fait, c'est deux cas-là qui sont faits, qui vont faire la stack d'exécution. Là, on comprend, on commence, on verra plus tard, il fait une certaine initialisation, on ne sait pas trop ce que c'est ce truc-là, mais on va comprendre un peu plus. Donc vous voyez que là, on a une allocation, on va le retrouver plus tard dans les autres samples. Et puis derrière, ben j'appelle, donc j'ai alloué en fait ici j'ai un pointeur vers ma zone mémoire, et je vais la passer à la méthode dump. Ok, donc on voit ici que je l'ai passé en... Là, j'ai mon pointeur qui est passé en paramètre. Donc on voit bien que la première chose qu'il fait, c'est qu'il compare avec une zone mémoire qui est une zone de mémoire globale. Alors j'avoue que Guidra, il a un peu des chaleurs parce qu'en fait, il déclare cette variable-là, elle n'est pas initialisée. Donc il y a encore des petits trucs sur Guidra, mais en gros, on retrouve un peu notre pattern, c'est-à-dire que finalement, il appelle la méthode println. Donc toujours là, il va passer la zone mémoire qui correspond au sysout. Mais par contre, ici, il passe une zone mémoire qui n'est pas du tout liée avec mon paramètre. Hein. Rappelez-vous, mon paramètre, ça correspond à mon objet que j'avais alloué, hein, qui s'appelle, c'était la classe data. Comment ça se fait qu'il passe cette zone de données? En fait, il a fait de l'optimisation de code. Pour comprendre, on va revenir sur notre exemple. Voilà. Donc en fait, ici, je lui passe, en gros, je lui disais, cet objet-là, tu m'appelles la méthode hello. Et en gros, qu'est-ce qu'il a fait la méthode hello? Il s'aperçoit que en fait, cette méthode hello, en fait, c'est une constante. Puisque je retourne je retourne cette string-là, et rappelez-vous, c'est les strings en double code, ce sont des constantes. Donc, il a fait une optimisation en disant, c'est pas la peine de passer par toutes ces méthodes, je vais chercher directement la constante. OK. Voilà, donc on a commencé à regarder un peu dans le détail comment ça se passait, les allocations et des choses comme ça. Là, on va avoir un exemple qui pique encore en plus. Voilà, donc là, pareil, mais j'essaie d'utiliser un peu des fonctionnalités de Java. Donc voilà, je définis une interface shape dans laquelle il y a une méthode getName, il y a une méthode getSize, et puis je définis deux types de shape. J'ai un rectangle, donc le rectangle, lui, il a une largeur et une longueur, et j'ai une classe circle qui lui a un rayon. Et donc la méthode getName, elle va dire voilà, c'est un rectangle avec qui va afficher la longueur et la largeur, et puis elle va vous retourner la taille.
qui est donc le produit de la longueur par la largeur. Et pour le cercle, c'est pi fois le radian, le rayon carré. Et donc, mon petit programme, il va utiliser un rectangle de longueur 2 et 1, un cercle de rayon 1, et puis un autre rectangle de rayon 2 et de longueur 1. Ça, c'est, vous allez comprendre pourquoi j'utilise deux fois les rectangles. Et puis, on va regarder ce qui se passe. Alors, voilà, j'ai ma méthode de main. J'ai ma méthode main, donc je vois que j'appelle une première fois dump, j'appelle une deuxième fois dump et j'appelle une troisième fois dump. OK ? Alors, en fait, là, ce qu'on va essayer de comprendre un peu, c'est comment sont structurés les objets. Donc là, on voit que j'ai toujours cette fameuse méthode d'allocation. Donc, j'alloue une structure de données. Et cette structure de données, donc, qui est rangée dans PLVAR 4, on va commencer à comprendre comment elle est structurée. On voit que ici, elle a deux champs. Déjà, elle est initialisée avec deux champs. En gros, si vous êtes un peu familiarisé avec l'encodage des doubles, vous verrez que c'est l'encodage de 2 et de 1. Donc on voit que, en fait, dans cette structure de données qui est allouée, à la position 1 et la position 2, on a les valeurs de notre rectangle. Si je veux corroborer ça, normalement le deuxième, vous voyez que c'est un cercle, donc lui il n'a qu'une seule valeur. Par contre, le troisième, c'était de nouveau un rectangle, on voit qu'on l'alloue bien avec ces deux valeurs. Donc, on commence à voir un peu comment sont structurés nos objets. Par contre, on voit qu'aussi qu'il va initialiser la première élément. Ici, il va initialiser avec une valeur locale 8. Et en fait, cette valeur locale 8, en fait, c'est vers une pointeur donnée. Donc là, j'ai 0,1 FFD8. Pour le cercle, je vais avoir une autre valeur. Et normalement, pour la troisième, je devrais retrouver la même. Oui, c'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En gros, ce truc-là, c'est ce qui va me décrire la nature de ma structure de données. Donc, en gros, c'est plus ou moins une zone mémoire qui va décrire ma table. En gros, ça va être plus ou moins des virtual tables dans lesquels on va avoir des pointeurs de fonction. On va essayer de valider un peu cette hypothèse-là, mais on va donc maintenant qu'on a vu comment ça s'allouait, donc on commence à comprendre comment sont alloués nos objets. On va essayer de le corroborer en regardant la méthode dump. Bon, et là, c'est là que j'avoue, j'atteins mes limites. Puisque là, c'est franchement du code qui est imbitable. Il va vraisemblablement récupérer cette structure, mais c'est un peu compliqué parce que j'ai pas la structure. Donc, on va essayer quand même de corroborer un peu tout ça, mais parce qu'on voit pas les appels à la méthode, par exemple, si on regarde ici, on voit pas les appels à la méthode getName ou parce que tout ça, c'est plus ou moins caché dans la fameuse virtual table. Donc, c'est un peu compliqué. On voit quand même que on fait des appels à string value of, floating point. Donc là, c'est le formatage de la chaîne de caractères. Mais sinon, je suis un peu perdu. Donc pour essayer quand même de corroborer ça, rappelez-vous, on a pris comme hypothèse que finalement, nos noms de méthode, c'était nos noms de fonction, c'était le nom de la classe et le nom de la méthode. Donc si cette hypothèse est la bonne, je devrais retrouver quelque part une méthode qui s'appelle circle. Donc, là, il y a un circle get, là. Oh, je vais aller voir ces petites fonctions. Tiens. J'ai une méthode circle get name et j'ai une méthode circle get size. Donc, regardons la circle get size. Donc, elle, pareil, elle va prendre en paramètre le pointeur de ma structure qui représente un cercle. Et on voit que ici, où est-ce que c'est? Voilà.
Ici, je vais prendre ce pointeur, je vais lui rajouter 8. Il ne faut pas oublier qu'on est en 64 bits. Donc, rappelez-vous, la première partie de la zone, on a dit que c'était notre espèce de structure qu'on connaît, qu'on maîtrise pas bien, qui était la structure qui représente la classe. Et par contre, après, on avait, pour le cercle, on avait un champ qui était initialisé avec le rayon du cercle. Donc là, en fait, on va récupérer le rayon du cercle, le multiplier par pi, et de nouveau le multiplier par la raison du cercle. Si on regarde la fonction getName, elle est un peu plus compliquée parce qu'elle va, pareil, elle va formater une string, mais vous voyez qu'ici, elle fait un format vers une string à partir d'un floating point décimal, et notre décimal, c'est bien toujours à l'offset 8, c'est-à-dire que c'est la deuxième partie de notre zone de mémoire. Si on regarde, donc là j'ai regardé le cercle, donc normalement je dois avoir pareil pour les rectangles. Voilà, ça doit être là, non? Voilà, là j'ai rectangle get. Donc rectangle get get size. Eh bien, vous voyez qu'ici, je référence un premier double à l'offset 8, un deuxième double à l'offset 10 en hexa, c'est-à-dire 16, qui sont mes largeurs et mes longueurs. Et puis, probablement pareil sur la part fonction getName. Donc là, je récupère le 8 et normalement, où est-ce qu'il est? Oui, il y a celui-là qui a l'offset 7, donc c'est le local 8 qui va être pareil à appeler ici. Donc je retrouve bien en fait ma structure de données. On commence à comprendre, donc ce qu'il faudrait un peu creuser un peu plus, c'est la partie finalement structure interne de la classe, qui est encore aujourd'hui un peu opaque. Mais bon, en gros, là, on voit bien que notre code Java, il est bien transcrit en code C, avec, on voit bien la partie qui fait que, finalement, ce qui explique en quelque sorte pourquoi le code native image, il est performant, puisqu'on ne passe pas par la phase d'interprétation du bytecode Java. Là, c'est déjà fait et c'est déjà transcrit en code C. Et sachant qu'on s'appuie aussi sur des fonctions de GraalVM. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la partie debug. Alors, je crois que c'est celui-là. Donc ça, c'est une partie qui était... à l'origine, donc il faut savoir que GraalVM, hein, il y a une partie communautaire et puis il y a une partie enterprise qui est payante et qui est fournie par Oracle. Et en fait, il y avait une. La question, c'est en fait comment je débug mon code natif, en fait. Donc là, on va avoir une ébauche de debug. Donc là, en fait, ce qu'on va lui dire, bah, quand tu génères mon binaire. Tu vas me le générer et tu vas me générer les informations de debug de telle manière à ce que GDB il s'y retrouve. Donc ça, c'est comme ça. Donc si je fais par exemple... Alors attendez, je vais quand même faire un truc. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais virer le projet source et là, je vais faire gen... d1.shell java sample 5 et je vais l'appeler my debug. Ça, c'est le nom de mon debug, c'est le nom de mon binaire. Voilà, donc là il y a native image qui se met en branle. Donc ça va prendre quelques secondes normalement. Donc là il est en train de parser tout le code pour regarder les chemins d'exécution, savoir quel est le code qui va éliminer, etc. Une fois qu'il aura fini,
Normalement, j'aurai un exécutable qui sera prêt. Voilà. On a bientôt fini normalement. Allez, un petit effort et ça devrait le faire. Eh ben, voilà, et c'est là que je m'aperçois que j'ai fait une bourde. C'est pas grave. Alors, en fait, l'idée, c'est que donc il va vous générer votre binaire. On va être obligé de le refaire. Je vais vous expliquer pourquoi. My debug. Voilà. Là, j'ai bien mon code qui marche. En fait, là, je suis sur un environnement où j'ai GraalVM native image de la communauté. Et en fait, il faut utiliser une autre distribution qui s'appelle Mandrel, qui est donc une distribution qui est faite, mais qui rajoute un certain nombre de choses. Et je me suis aperçu que ça marchait pas bien. Donc, je vais le refaire. Alors, non, c'est pas bon. Il fallait mettre Java sample 5 mydebug. Voilà, on va refaire. Alors en fait l'idée là c'est que donc en fait on va générer un exécutable avec des informations de debug et on va aussi générer des fichiers sources. En fait il va prendre tous les fichiers sources qui sont utilisés dans mon binaire, mais maintenant les fichiers sources c'est au sens Java, d'accord? Il va les archiver dans un répertoire. Et en gros, une fois que je vais faire ça, je vais pouvoir faire du step by step, non pas en utilisant le débuggeur Java, parce que naturellement là je peux pas me connecter sur le débuggeur Java, mais je vais utiliser un débuggeur natif. Donc en l'occurrence, je vais utiliser GDB. Oui, effectivement, je vois que la génération GraalVM, ça me dit que ça prend du temps, effectivement. Alors, il y a une question, si j'ai bien compris, le code en paradigme objet est transformé en code C, en paradigme fonctionnel, enfin, fonctionnel, non, c'est plutôt qu'on essaye de faire rentrer la notion d'objet dans un langage qui à la base n'est pas orienté objet. Donc, mais il n'y a pas forcément de fonctionnel. Enfin, je vois pas qu'on introduise du fonctionnel dans la transformation GraalVM native. On pourra peut-être en reparler. Alors, on y est presque, je pense. Ok. Donc là, j'ai généré et vous allez voir. Alors, j'espère que j'ai pas trop foutu la grouille parce que j'ai un répertoire sources qui a été créé et dans lequel je vais retrouver des en fait tous les codes Java, tous les sources Java qui sont utilisées dans mon binaire. Donc, ce que je vais faire là maintenant.
c'est que je vais lancer mon debug. Donc je vais faire gdb full name il s'appelait my debug. Ok. Donc là, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est il faut que je lui dise tu vas me trouver les sources à tel endroit. Donc je vais faire un set directories sources. Ok. Maintenant, je vais positionner un breakpoint. Donc là, normalement, c'est Java sample 5.main. Ok. Oubliez le message là où il dit que ça se trouve à tel endroit. Là, je vais faire un run. Voilà. Donc il me dit qu'il est bien, il est bien sur le breakpoint. Si je fais un list, non, il n'est pas encore bien, mais si je fais un backtrace, je pense qu'il me dit qu'il est bien. Donc il faut que je fasse un step. Voilà. Donc là, si je regarde mon backtrace, non, il faut que je refasse un step, je crois. Voilà. Donc là, vous voyez que si je regarde mon backtrace, vous voyez que je suis toujours dans la méthode main, mais je suis dans ici dans ce code source. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que je suis toujours sur ma ligne d'exécution dans laquelle je suis en train d'appeler la méthode dump, mais je suis en train d'allouer un objet. Donc en fait, je suis dans le code qui alloue cet objet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon allocation jusqu'à ce que je revienne. Voilà. Donc vous voyez que en fait, le code que je vous ai montré tout à l'heure, qui était du code d'allocation d'objets, et ben en fait, c'est du code Java, mais qui a été inliné en fait. Hein. Donc tout le code d'allocation, c'est du code Java qui est implémenté dans certaines classes comme slash Oracle, mais qui est inliné dans le code C, ce qui est un peu logique parce qu'on sait que les allocations, on risque de les utiliser souvent. Je continue. Voilà, et normalement, si je fais un step, voilà, je me retrouve dans la méthode dump, dans lequel j'ai un... je vois que j'ai un objet check qui est passé. Voilà. C'est encore un work in progress dans la mesure où on ne peut pas encore retrouver nos bits et retrouver les paramètres, etc., faire le lien. Donc il y a encore un peu de travail pour faire en gros le lien entre GDB et puis Native Image. Mais disons que on commence à avoir des embryons de solutions. Voilà, donc c'en est fini pour l'atelier. Je voulais juste rajouter deux choses. Donc en termes d'idées futures, bah, en fait il y a une idée, Ghidra, c'est un outil qui a des notions de plugin et de modules. Peut-être ça serait intéressant d'avoir un module Ghidra qui nous permettrait de mieux comprendre ces fameuses structures de... À la fois, il y a des structures, on a vu qu'on faisait des suppositions sur des données globales qu'on allait chercher. Donc, ça serait bien qu'on puisse avoir peut-être des noms par rapport à ça. Et puis, surtout, être capable de cette fameuse structure qui correspond à la classe, ça serait peut-être bien de la voir un peu plus parlante dans le code. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, en fait, c'est plutôt de passer par une mécanique de retro-engineering. Peut-être que ça serait intéressant de regarder il serait pas possible de conserver le code généré, puisque en fait on voit bien que Native Image, lui, il va commencer par générer du code C, et une fois qu'il a ce code C, il va le compiler et le linker pour nous donner le binaire final. Mais ça serait peut-être intéressant de conserver le code généré. Ça éviterait de passer par Ghidra. Voilà, j'ai mis des liens pour finir entre GraalVM, Mandrel et puis Ghidra qui est l'outil de retro engineering. Voilà, j'ai fini. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on vient vers le live?
Je vais arrêter mon partage. On est revenu. Voilà. Bah. Seb ? Ouais. Ouais, bah écoute, tu as levé une partie du voile. Ça reste quand même assez complexe. Hein, ouais, faut que je regarde bien. Moi, j'ai bien kiffé le petit dragon. Chaque fois que tu l'as. Ah oui, là, c'est clair. Je suis pour rien. Ah, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant de voir ce qu'il y a derrière, quoi. C'est. Ouais. Plus habitué aux outils magiques, quand on peut découvrir qu'est-ce qui se cache derrière la magie, c'est souvent. Mm. Encore plus impressionnant, quoi. Ouais. Et puis, tu as découvert que quand on stream, quand on fait un live stream, Graviane. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ouais, ça, il y a quelques temps, oui, les performances tombaient d'une façon assez spectaculaire au moment de stream. Oui. Ouais. Une appli Quarkus normale sans rien sur ma machine, elle met 1 minute 20 à peu près comme ça. Et quand je stream, ça passe à 2 minutes et demie. J'ai même eu une fois, c'est la misère, j'avais plein d'extensions et tout. 8 minutes. Pendant 8 minutes, je parlais d'autres choses et tout. Je fais, ah, ça y est, il a fini et tout. Mais donc, Et ça veut dire que quand il génère les codes, il utilise à fond les différents cœurs des processeurs qui sont occupés par la vidéo. Vous pensez. Parce que justement, c'est une des choses que je me pose comme question. C'est la première fois que j'ai vu ce test de performance. À tous les coups, il parallélise tout ce qu'il peut, et comme il y a des threads qui sont occupés par le streaming et il n'arrive plus. De toute façon, Native Image, lui, il lance le compilateur natif, hein, donc après, c'est comme si tu faisais une compilation, hein, sauf qu'il y a un peu de code, quoi. C'est pour ça que je m'attendais pas à que le fait d'en faire une autre chose en parallèle pénalise tellement, quoi. Ouais, je sais pas. Après, je sais pas, ouais. C'est un peu bizarre, mais en général, même sur BlueJeans, on a le souci, c'est toujours pareil. Dès que tu fais du streaming, tu as des choses qui ralentissent. Ouais. Ouais, moi, j'ai deux machines maintenant. Enfin, quand je peux, je stream sur une machine et je récupère le flux vidéo de ma deuxième machine. Ça, c'est le bon moyen de faire des streams smooth un peu. Mais bon. Ouais. Sinon, il y a Olivier dans le chat qui nous dit, qui nous conseille aussi un autre outil, l'excellent Compiler Explorer de Matt Godbolt, qui permet d'analyser le code produit par nos compilateurs. Et il a mis le lien, donc, pour ceux qui veulent... Ça serait intéressant de regarder. Ouais. Donc, mais en tout cas, c'était cool, c'était intéressant. Je suis avec les commentaires de Akanoa, de Jeff Devoir, et voir ça à tête reposée. C'est clair que ça... Ouais, c'est sûr. Et ça permet de nous dire que tous les talks là qu'on a eu depuis lundi, ils sont tous en dispo en replay sur la chaîne YouTube des rendez-vous des speakers. Y compris celui-là depuis ce moment même. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne parce qu'on fait pas les replays sur Twitch. Hein. Si, je crois qu'ils sont encore là pendant des semaines, mais sur Twitch, c'est éphémère et ils sont tous stockés, gardés et tout sur notre chaîne YouTube. Okay. Sur Twitch, il y a les premiers que je me suis loupé dans les manips et il n'a pas arrêté gardé sur Twitch, mais tous les autres sont pendant 15 jours sur Twitch. Ouais. Ok. Bon, ben, cool. Je vais voir, je regarde les chats. Non, rien d'autre. En tout cas, Jeff, merci beaucoup. Merci. T'as des news à nous raconter niveau tooling? Je ne sais pas s'il y a des trucs intéressants qui arrivent. Au niveau tooling, non, on continue. Donc le tooling, c'est au niveau de Quarkus. Ouais. Pour dire que on a un tooling sur VS Code, on a un tooling sur IntelliJ et un tooling sur Eclipse. On suit les releases assez régulièrement de Quarkus, donc moi je kiffe votre tooling. Moi j'utilise sur VS Code là, c'est vraiment. Donc, sachant qu'ils ont beaucoup de choses en commun les trois, hein, puisqu'on s'appuie sur un serveur LSP, donc il y a beaucoup de choses qui sont partagées entre les trois outils. Ouais. Ok. Donc vous avez le choix d'outils. On vous laisse le choix d'outils. Ouais, c'est beau ça.
Hein ouais, parce que même et l'extension VS Code, elle marche sur Eclipse, c'est ça hein, c'est la même extension. Tout à fait, Il n'y a pas de souci. Et même sur effectivement. Donc il y a que NetBeans qui a rien non ou s'il y a un truc sur NetBeans? Non. Ouais. Bon, donc Je suis pas sûr qu'ils aient un support LSP d'ailleurs sur NetBeans. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom quoi. Ok, donc bon, en tout cas, merci. Je me permets de vous rappeler que ce soir, il y a la table ronde des anciens. Moi, je vais enregistrer mon... j'essaierai d'enregistrer le talk là-dessus. Vous avez vu, j'ai mon lecteur qui est prêt. Et qu'est-ce que j'ai là? La carte du ciel pour TO7. Et de l'autre côté, c'est la version la carte du ciel pour MO5. Bref, on va pas parler que de ça, on va parler de plein de choses. À 20h, hein, c'est ça, hein? C'est bien. C'est ça. Donc, attends, 20h ou 21h, laisse-moi vérifier, je te dis ça tout de suite. 20h. 20h, je crois que j'avais vu, moi, il me semble. Ah, et il y a Olivier qui dit. Ah, il y a deux ZX81 et on va voir du ZX81 ce soir. Voilà, ça va être du lourd. Là. Ça va être du lourd. On va bien s'amuser, les amis. On va bien s'amuser. Ouais, ça va être sympa. Et pour bien finir cette semaine des speakers, j'arrive pas à dire speakers aujourd'hui. Speakers, voilà. Et après, on pourra fêter Noël tranquillement. Donc, bon après-midi tout le monde. Et merci encore, Jeff. C'était super top. Ouais, et de rien. Et on se voit ce soir. Allez. On se voit ce soir. Allez, à ciao. Ce soir. Bye bye. Ciao.